Salut les dormeurs. Oui, parce que vous avez trop bu encore, comme d'habitude. Vous avez remarqué comment une affaire chasse l'autre. Et vous avez remarqué qu'on est à ce moment dans ce que banalité disent, on appelle ça, c'est banalité de base, la trêve des confiseurs. C'est d'ailleurs d'une imbécilité totale parce que les confiseurs n'ont jamais autant marché que pendant les fêtes, c'est là où ils vendent le plus de bonbons, chocolat, caramel et esquimaux. Mais cette fameuse trêve a fait que nous avons un peu passé sous silence et pas assez la réconciliation de la famille Bettencourt. C'est-il pas beau ça? 3 ans de demande mise sous tutelle et sous curatelle, d'attaquer ce photographe gigolo qui a pris 1 milliard à l'héritière de L'Oréal, d'attaquer, de s'envoyer vraiment des sommations judiciaires, des référés d'erreur, des maîtres d'hôtel qui mettent des cassettes sous la table et des magnétophones sous la table, des histoires extraordinaires, des querelles d'avocats, tout ça pour ça, tout ça pour que Liliane Bettencourt et sa fille, Françoise Meyers Bettencourt, se disent « mais oui, tout va bien, on s'est réconciliés, ce qui compte, c'est la famille ». Et oui, vous entendez là le petit bruit des billets en train de descendre dans les mannes. Et évidemment, à ce niveau-là, il vaut mieux se réconcilier parce que c'est pas la peine. Déjà, le linge sale a été lavé dans tous les médias. Il faut quand même en laisser un tout petit peu pour la suite. Et moi, je suis content que les pauvres petites filles de riches arrivent à vraiment retrouver le sens de la famille. C'est beau ça, c'est très 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 beau. On regrette d'ailleurs que Françoise Meyers s'est déjà mariée, parce que tout ça aurait pu finir par un mariage, peut-être les enfants, c'est magnifique. Enfin, François-Marie Bagné pourra garder quand même une bonne partie du magot qu'il avait touché, donc tout va bien pour le meilleur des mondes, et cette enquête admirable, j'ai vu, comme on dit que les Français sont riches et radins, eh bien cette enquête est totalement confortée par cette histoire. Voilà, alors, vive les riches, salauds pauvres !